Voici donc une nouvelle série d'intérêt international et mondial sur les accordages de banjo. Il existe des dizaines d'accordages possibles, donc on ne les verra pas tous. On verra un bon paquet quand même. Et on va commencer par l'accordage favori de Pete Seeger, qui accordait son long neck dans quelque chose qui ressemblait à un do tombé, drop. Si, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça n'est pas le double do. C'est le simple do, c'est-à-dire sol, do, sol, si, ré, qui impose de poser donc deux doigts au lieu d'un pour le double do, de façon à obtenir notre fameux accord de do. Deux doigts également pour le do mineur. Et puis plusieurs autres doigts pour le fa, le sol. Voilà. Alors, c'est un accordage qui était très utilisé par les adeptes de cette secte spéciale, la secte du banjo classique, qui se jouait en Angleterre pas mal, mais également aux États-Unis, surtout en Angleterre, sur des banjos superbes d'ailleurs. Du début du siècle dernier, avec des cordes en boyau ou nylon maintenant. Et il y a toujours des adeptes du banjo classique. Alors, le banjo classique est une technique assez proche de la guitare classique qui va utiliser trois voire quatre doigts de la main droite et des doigtés avec des écarts pas possibles tout en haut du manche, au milieu du manche, enfin bref, partout. Et donc une certaine dextérité de la main gauche, mais aussi de la main droite. Alors on joue en banjo classique, on joue surtout des ragtime avec une partie majeure, une partie mineure, deux parties, trois parties, quatre parties, voire plus. Ça s'appelle toujours ragtime ceci, ragtime cela, machin jubilé. Enfin, il y a plein de titres. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur les sites, je crois, sur le site. Clifford Essex, et il y a un démonstrateur sur Clifford Essex qui montre plusieurs airs de banjo classique. Voilà. Alors pour ce qui nous concerne, eh bien cet accord est utilisé par Pete Seeger, mais également par Art Rosenbaum dans un certain nombre de titres, surtout pour des morceaux exécutés avec le all-time picking, c'est-à-dire avec trois doigts de la main droite. Moi, ce n'est pas mon style, donc je ne ferai pas de démo, je n'ai pas cette prétention-là. Mais bon, l'un des airs favoris de Pete Seeger, qui jouait donc avec cet accord de Do spécial, c'est celui-là. Accord de Do, le Do ouvert, Sol, Do, Sol, Do, Mi. Alors celui-là est complètement ouvert, donc cinquième, septième. Bamba la bamba la bamba. Donc c'est un accord qui est utile pour aller un peu piquer des aigus.
Donc on a des aigus qui vont percer pas mal avec cet accord. Mais bon, on peut jouer des tas de trucs. Donc c'est un accord de Do ouvert qui est utilisé par des tas de gens sur certains titres. Bon, Art Rosenbaum entre autres, qui utilise beaucoup de d'accords différents. C'est donc cet accord très séduisant de Do ouvert. À vous de faire vos propres découvertes grâce à ce bel accord majeur.